vidéo d'Amin. Et aujourd'hui, écoute exceptionnelle, écoute historique, écoute iconique, puisque ça y est, c'est lancé. Musicalement, Kendrick est de retour. Let's go. Putain de merde. Et il a sorti The Heart Part 5. Donc tous les mecs là qui disaient non mais dans le cœur il y a que 4 parties, dans ton cul, on en a rien à foutre qu'il y ait 4 parties dans le cœur. On te fait The Heart Part 5, Part 6, 7, 8, 9, 10. On s'en fout. Putain non mais les gars, Kendrick il est hyper méticuleux et tout. Hey, tiens dans ton cul. The Heart Part 5, bitch, avec un clip en plus. Ouh, donc effectivement, premier clip d'un The Heart. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept des The Heart? Ah, alors The Heart, c'est Kendrick Lamar sur un morceau qui précède la sortie d'un album et en fait qui écrit, qui rappe son state of mind, son état d'esprit dans lequel il est pour la conception de cet album. Et c'est souvent très émouvant, lyricalement. Très émouvant, ça rappe dur. Ouais, ouais, c'est émotionnel, mais en même temps très motivant. Ouais. Je me rappelle que le The Heart, je crois que c'est le part 2 ou le part 3. Où ça précède la sortie de Good Kid, Mad City. C'est le part 3 avec Black Eyed Peas. Le part 3, ouais, c'est ça. Quand il dit ouais, est-ce que vous allez laisser le hip-hop mourir on October 22nd? Non. Alors, il y a la version avec uniquement Kendrick, ouais. Et il y a la version avec Black Eyed Peas, exactement. Et même, il dit ouais, Ali, ah, tu mixes avec Dre maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ah, putain. Ouais, c'est incroyable. Et le Hard Part 4, du coup, qui était sorti avant Dame. Avant Dame. Qu'on avait review sur la chaîne. Tout à fait. Où là, il y a eu un changement d'instru, un instru qu'on a pu retrouver sur l'album. Ouais, il y a 4 instrus, je crois, sur The Hard Part 4. Et il y en a une d'elles qui est retenue, c'est celle d'Alchemist, yes. Fear. Fear, exactement. Alchemist, pardon. Et du coup, la 3, c'était avant Good Kid. La 2, c'était avant Section 80. Et la 1, c'était avant... Kendrick Lamar EP. C'était pas avant Overly Dedicated? Non, Overly Dedicated, c'est le 2, frère. Parce que le 3, c'est Good Kid, Mad City. Et donc le 2, c'est Section 80. Le 2 c'est Section 80. Non, je crois que le 2 c'est Overly Dedicated. Et il en fait pas. Il en fait pas pour Section 80. Section 80, ok, bon. Je crois que c'est ça. Mais il en a pas fait un pour To Pimp. Pour To Pimp non plus, ouais. C'est quoi ton, pour l'instant ton classement des The Heart? Oh putain, t'es dur. Mec, le 3 exceptionnel. Ouais. Le 2, quand il rappe jusqu'à s'en étouffer, ouais. Exceptionnel. Ah non, ça c'est incroyable ça. Je le mets en premier. Ok. Le 2, 3, 4 et 1. Ok. Moi aussi, 2, 3, 4 et 1. Ou bien 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, ok, ouais. Voilà, j'hésite entre les deux. Et ouais, voilà, du coup. Par contre, surprise un peu avortée. Merci Spotify. Ouais, putain, ils ont teasé le truc. En fait, ils ont leaké l'info, quoi. Ouais. Je pense que le son, ils avaient préparé la bannière pour qu'il sorte. Ouais. Et le problème, c'est que c'est sorti avant. Non, moi je pense qu'un mec n'a pas été reconduit après sa période d'essai. Ouais, du coup, il a dit, vas-y, je vais l'éduquer. Il s'est dit, ah oui, il y a quoi comme grosse sortie là que je n'ai qu'à faire? Oh, Kendrick! Bizarrement, l'info elle tombe à la même heure, mais un jour avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Staged un peu peut-être? Bah, je pense qu'en fait, ils ont oublié de déprogrammer parce que le label, on lui dit, ouais, Kendrick, en fait, ça sort. Ouais. Ça sort mardi, quoi. Enfin, lundi, plutôt. Lundi, ouais. Donc, ouais, bon. Non, mais là. En fait, moi, je veux le voir, le clip, le state of mind qu'il a. Alors, bon, il y a eu des petites infos qui ont circulé. Bon, moi, j'ai dû retweeter ce truc-là, mais bon, j'aurais pu m'en passer. Apparemment, il y aura un sample de Marvin Gaye. Ok. Bon. Et il y aura un hommage à Nipsey. Let's go. En vrai, bon, ça c'est... Donc je vais pleurer. Voilà, let's go. Non, après, voilà, on connaît la relation Kendrick. Oui, bien sûr, Dedication. Voilà, évidemment. Sur Victory Lap. Victory Lap, par exemple. Bah oui, non, mais oui, bah ça fait sens. C'est. Non, mais ouais, bah putain, en plus, dans 4 jours, du coup, on a. On a l'album. Sûrement peut-être un double album en plus.
Alors j'ai demandé au préalable s'il dévoilait la tracklist ou s'il donnait des indices. Non, non, on m'a dit que non. Donc on peut regarder le clip en toute tranquillité. Ah, la danse. Ah oui, on sait jamais. Moi j'ai pas envie de voir la tracklist. Ah non. Ah non, on veut pas de tracklist, on veut pas savoir les feats, on va découvrir vraiment l'album. Voilà. Mais en tout cas, je m'en suis assuré. Ouais, que là-dessus, y a aucune info. Y a pas d'info. Ok. Bah, let's go. C'est le moment. C'est parti pour l'écoute de The Heart Part 5 de Kendrick Lamar. A.K.A. Oklahoma aussi maintenant. Tout. Qui du coup sort avant Mr. Morale and the Big Steppers. Let's fucking go. 5 minutes 43. 6 millions de vues. Bientôt 10 millions grâce à notre stimulus. I am all of us. Oh là là. C'est pas un statement dès le début. Oh, la musique de Simp. La musique du mec qui cherche un summer love. Putain, une tête de craquette. And my perspective may differ from yours. All my fans, all my beautiful fans. From a generation of pain where murder is minor, rebellious and more jealous, a tribute for this inner city. Miscommunication to keep homo detector busy. No protection is risky. Desensitized. I've seen niggas do 17. Hit the halfway house, get out and get his brains blown out. Mental streams the culture. Face your fears, always knew that I would make it here and made it here. Reflecting on my life and what I've done. Paid dues, made rules change. To my friends, to my kids, I'm in heaven. To my money, to my sins, I'm in heaven. Know your soul's in question. I seen the pain in your pupil when the trigger has squeezed. And I don't need to be in flesh just to hug y'all. The memories recollect just because y'all. And to my neighborhood, let the good prevail. Make sure them babies and the leaders out of jail. They carry on and mix still. I want you. Ça. Gros, je vais sur les crédits. Sur les crédits. Producteur. Beach Noise. No Name Shit. Ah, il a produit beaucoup pour Baby Kim. Putain, la prod est tellement exceptionnelle. Passe, Matt Sheffer, drums, Matt Sheffer, guitare, Matt Sheffer. C'est exceptionnel, hein. Kendrick est l'homme. Quel rappeur, quel artiste, quel MC, et qu'il enveloppe toutes les casquettes. Visuellement, c'était incroyable. L'idée était incroyable. C'est vraiment le Tupac de notre génération. Ah oui.
Ah oui, sans aucun doute. Ce qu'il vient de faire, je l'ai jamais vu dans le rap. J'ai jamais vu ça de ma vie. Rendre hommage comme ça. Avec les visages et tout, le mec, la partie avec Nipsey, c'est. Genre quand il a le visage de Nipsey et qu'il parle à sa place. Ouais, ouais. Il dit, genre, dis à mes enfants que je suis au paradis. Ouais. Genre, continuer le combat. Putain. Non, mais gros, c'est exceptionnel l'ampleur que ce mec a pris, gros. Ouais, non. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Mec, là, il endosse, en fait, la responsabilité de toute une cause. Ouais. Mais je trouve que c'est encore c'est encore plus amplifié qu'à l'époque de Tupimp. Ouais. Mec, là en fait, enfin, c'est. Là, je sais pas. Enfin, mec, je sais pas, c'est un morceau comme ça, gros, c'est un morceau historique. Mm. Mec, je suis sur le cul. Mec, la prod, elle est somptueuse. La prod, elle est tellement somptueuse. Le sample de Marvin Gaye, mon dieu. Mec, c'est exceptionnel, le groove. C'est aussi un morceau où il remercie ses fans. Au début, ouais. Et à la fin aussi. Oui. Et c'est quelque chose que Kendrick a fait rarement en musique. Ouais. Il le faisait parfois sur les Heart. Ouais, mais là, c'est vraiment en mode merci parce que je vais me retirer, en fait. C'est exactement ce dont j'allais parler. J'ai l'impression que c'est vraiment le... C'est c'est le Victory Lap. C'est le tour d'honneur. Ouais. C'est le Victory Lap, ouais. C'est le tour d'honneur. Mais il dit, regardez tout ce que j'ai fait pour vous et tout. Tu sens que c'est vraiment un morceau de type... ça y est, là, c'est... mon dernier combat. Ouais. Et le fait d'avoir un clip où il y a un fond et il y a lui... Tu vois, c'est très solennel, en fait, ouais. Comme clip. Mais il n'y a que lui. Il n'y a que lui et les changements de visage. Ouais, les deep... Mais fait, même, ça genre, il a gardé la gestuelle, même avec... Pff, ouais. C'est exceptionnel, man. I want the hood to want me back. Look what I've done for you. Bien sûr, Kendrick, il a aidé son quartier. Non, mais... Après, Compton... Après, quand il dit ça, il n'a pas la tête de Nipsey à ce moment-là? Peut-être. Ça, faut voir avec... Ce qu'il dit, en plus, quand il a la tête de Nipsey, genre, automatiquement, vous voudriez blâmer le hood pour ma mort et tout. Mmh. Donc en plus, il dit ouais, un remerciement aux fans, mais même juste aux personnes qui ont jeté une oreille. Ouais. And to the killer that sped up my demise, I forgive you. Just know your soul in question. I see the pain in your pupil when that trigger had squeezed. Damn. Ouais, genre, en gros, il... Mec, il parle du tueur de Nimsey, frère. Ouais. Et il dit qu'à forgive you. Il parle en nom de Nipsey. Je sais pas si c'est une bonne chose, tu vois. Après, bah en fait, connaissant l'âme de Nipsey, c'est ça. En fait, Kendrick le connaît immensément plus que nous. Donc je pense que il sait que Nipsey voudrait le bien commun. Ouais. À se dire, ok, s'il faut pardonner à cette personne pour qu'on puisse continuer d'avancer en tant que communauté, vas-y, je le fais, je lui pardonne, tu vois.
Mais par contre, il dit maintenant, après, c'est ton âme qui est en jeu. Parce que tu vois, le pardon, parce que le mec, voilà, il peut se retrouver en enfer. Bêtement. Il dit, j'ai vu la douleur dans tes pupilles quand tu m'as tiré dessus. Mais quand il dit, mec, faites en sorte que mes enfants regardent mes interviews, qu'ils vivent le rêve que j'ai vécu. And Sam, I'll be watching you over. Make sure my kids watch all my interviews. Tu vois, c'est ça quand il dit, and to my neighborhood, let the good prevail. Tu vois, genre, dis à mon quartier de toujours laisser le bien dominer, en fait. C'était intense, sa mère. C'était intense, sa mère. Il y avait de la spiritualité. Ouais, O.J. Simpson, Kanye West, Jussie Smollett, Will Smith, Kobe et Nipsey Hussle. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à Kobe? Parce que j'étais totalement figé. Ah, c'est le mec de Empire. C'est un chanteur. Acteur et photographe. Non mais qu'est-ce qu'il dit quand il y a Kobe? Je sais plus, c'est à quel moment qu'il parle de Kobe. C'est le cinquième, c'est l'avant-dernier. Je crois que c'est l'avant-dernier. Mais c'est très court en vrai, hein. La partie Kobe est très courte. Non, mais c'est... Bah, en fait, ce qui est fort dans le morceau, bon, effectivement, il y a un contenu lyrical très intéressant et qui va au-delà de la musique. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est fort, c'est qu'il allie rap, soul, spiritualité, groove. Genre, à quel moment t'arrives à catalyser tout ça en un morceau, frère? En vrai, tu vois, ce truc-là, depuis Too Pimp, il le travaille. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Depuis Untitled Unmastered, il le travaille. Tu vois, quand il faisait ses lives, là, dans les émissions Canary, il dévoilait les morceaux comme ça en live. J'avais l'impression qu'il était en live, frère. Ouais. Tu vois, c'était un espèce de Colors. C'est ce que j'allais dire. Tu vois? Ouais. Mais c'était exceptionnel. Il était habité, gros. En mission. En mission. Kendrick prouve encore une fois que c'est un artiste qui est un étudiant, un fier représentant de la culture. Et qui et c'est même un porte-parole. Bien sûr. C'est limite le plus gros porte-parole de la côte ouest. Et en plus, moi je ressens qu'il y a laissé de lui-même dedans. Tu sens un sacrifice d'énergie, un sacrifice de sa patience, un sacrifice de ses émotions. Tu sens qu'il a beaucoup enduré, beaucoup été critiqué, beaucoup remis en question, mais qui s'est dit, vas-y, tu sais quoi, je fais ça. Je dois le faire pour eux. Même si ils me critiquent, même si truc, je continue à le faire pour eux. Je dois le faire pour eux, pour mes fans et pour la culture en vrai. Mais comme t'as dit, il est chargé d'une dernière mission. En fait. Ouais. C'est ce que je ressens. Quand je vois ça là, je me dis c'est son dernier album. Genre la motivation derrière tout ça. Ouais, bah oui. Bah pour moi c'est son dernier. Hein. C'est comme tu l'as dit, tour d'honneur et édifié comme l'un des plus grands de l'histoire, quoi. Clairement. Quoi qu'il arrive, en vrai. Oui, quoi qu'il arrive. Même si l'album, mais je sais que l'album il va être incroyable. Bah oui. Si tu dévoiles pas un morceau comme ça pour derrière faire de la merde, c'est pas possible. Tu peux pas. Non, mais en plus, si les producteurs sont à ce niveau-là, sortons même un quintuple album. Hein. Donc producteur qui a travaillé avec déjà Baby Kim. C'était sûr. De toute façon, je vous avais dit que musicalement, il allait... Oui, mais là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais il bosse avec les gens... Oui, de son label. En fait, parce que c'est une nouvelle team. Donc il bosse avec eux, c'est une ère, tu vois. C'est une ère comme... à l'époque de Rocafella, quand,
quand les lieutenants sortent des albums, tu sais que tu vas retrouver des prods, des producteurs, des intervenants qui vont être sur le main, qui est celui de Jay-Z, tu vois. Là, c'est un roster qui se forme. C'est ça, c'est ça, clairement. Et la plateforme principale, ça va être la plateforme de Kendrick. Mais genre, le sample, la manière dont il a été découpé, il a été incorporé. Genre, la manière dont il a apporté son flow sur la prod, et quand il dit enlève les drums et tout, et après, t'as que la ligne de basse. Mais c'est du caviar shit! Best rapper alive! Ah, ça y est, c'est le meilleur rappeur. C'est le meilleur rappeur. Mais bon, il a voilà. De toute façon, quand il a fait son. Quand il a sorti le feat avec Baby Kim, j'ai dit oui, en théorie, effectivement. J'attendais juste un morceau solo pour lui redonner la couronne. C'est bon. C'est bon. C'est le meilleur rappeur en vie. C'est le meilleur rappeur en vie. Et il va le prouver avec l'album. Oui, il va confirmer. De toute façon, son album, l'ambition de l'album, c'est pas juste générationnel. C'est sa place dans le classement all-time. Ouais. Et j'en parlais quand il a commencé à avoir les rumeurs sur les doubles albums. J'ai dit direct, l'exercice du double album, c'est un des deux exercices les plus durs dans le rap. Ça et les battles, tu vois. Beaucoup de légendes ont fait des doubles albums. Pas énormément ont fait des putains de doubles albums. Très peu ont fait des doubles albums exceptionnels. Big, Pac, Outkast, UGK, mais on est déjà un cran en dessous. Et encore, le double album d'Outkast, en fait, c'est deux albums solo vendus dans un package, tu vois. Mais tu vois, Wu-Tang Forever, il n'est pas exceptionnel l'album, tu vois. C'est dur, c'est très difficile. C'est pas au niveau de Life After Death. Par exemple, ou que All Eyes On Me. Donc, si Kendrick fait un double album et qu'en plus de ça, l'album est au minimum très bon, il rentre dans le top 10. J'ai même plus besoin d'attendre la longévité. Je fais sauter la condition de la longévité. Parce qu'en fait, il va faire un truc que des légendes n'ont pas réussi à faire. Jay-Z n'a pas un très bon double album. Il est pas très bon. Ah bah non. L'album, le double, il est bon. Là, il est. Il est bon. Ça passe. Il y a des morceaux exceptionnels dedans, mais dans sa globalité. Bah c'est comme Nas, Street Disciple. Voilà. Pas ouf. Mais regarde, Jay-Z a carrément après sorti Blueprint 2.1 où il a réduit parce que c'était voilà, c'était ça avait été décrié. Ouais. Mais sinon. Jay-Z me fume, il n'y a que lui pour faire ça. Vous voulez me tacler? J'en referai voilà. Mais. Ceux qui veulent pas parce que c'est trop long, allez, je vous fais deux moi-même en best-of, tu vois. Mais non, s'il fait ça, gros, moi je t'ai dit. Dans le rap, les deux exercices les plus durs, battle et double album. Parce que c'est là où les gens se cassent la gueule très facilement. Putain, M, il a jamais fait de double album. M, il a jamais fait de double album. Il a fait des longs albums. Mais il a jamais fait trop de... long parfois des trop longs albums. Mais il a jamais fait de double album. Ouais, il a jamais fait de double album. Ouais, mais je pense qu'il le fera pas. Non après, non après son Music to be murdered by, tu vois, c'est bon, c'est un double album déguisé en vrai. Ouais, c'est ça, comme aurait pu l'être Relapse et Relapse 2. Ouais, c'est un peu déguisé. Mais The Game, du coup, Documentary 2 et 2.5, ils sont effectivement, ils sont pas sortis en même temps, mais il y a quand même c'est très court entre les deux, donc pour moi, on peut le considérer comme un double album, et c'est un très bon double album. Moi, le Documentary 2 et 2.5, Kendrick, Kendrick, j'attends un chef-d'œuvre, j'espère un chef-d'œuvre, mais attention, je le dis dès maintenant, si c'est effectivement un double album, je peux pas avoir les mêmes exigences que si c'était un album simple. Faut, à un moment donné, faut être aussi réaliste, tenir un double album, si c'est 14 et 14, 15, 15, 13, 13, voilà, s'il y a 2-3 skips, tranquille, tu vois. Bah, y a des skips sur All Eyes On Me, en vrai. Y a pas de skips sur All Eyes On Me. Donc non, déjà. Mais c'est pas grave. Parce que c'est vrai que, par exemple, sur Dame, moi j'ai des skips. Et comme il n'y a que 14 morceaux, ça me pose problème. Mais sur un double album, quelques skips, je veux dire, je serais très tolérant là-dessus. Mais je veux minimum très bon. S'il fait un très bon.
top 10, il y a un mec qui va dégager. Donc, let's go. Non, franchement, gros, là, j'ai juste hâte que tu dégages, que j'écoute tout ton casque. Et voilà, quoi. Genre... Parce qu'au casque, gros... Ça va être incroyable. Bon, allez. Allez. À vendredi. Let's go.